Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, santé, bien-être de votre habitat, on va voir tout ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, c'est du général, faites bien preuve de discernement. J'espère que vous vous portez bien, je tenais à vous remercier pour toute votre présence, peu importe quelle qu'elle soit sur la chaîne. Et on y va, santé, bien-être de votre habitat. Donc c'est du général, vous prenez uniquement si cela résonne au plus profond de vous. Alors comme je répète toujours, ça peut être un habitat dans un santé bien-être dans un habitat, ça peut être aussi dans un local, ça peut être dans un vélo, ça peut être dans une rue, ça peut être dans l'air, dans la terre, ça peut être un terrain, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une maison, dans un appartement, dans une pièce bien précise. Voilà, n'importe où en fait. N'importe où vous pouvez être en fait, aussi. Alors ici, je peux avoir, je vois une personne liée à l'habitat. Votre habitat, je vois de l'attente, vous êtes en pleine attente. Vous êtes en train de patienter, vous attendez. Ça peut faire longtemps peut-être que vous attendez, ou alors pour vous, en fait, vous vous dites c'est déjà trop pour moi. ici, il y a un retour, il y a un retour, il y a un retour à quelque... Oh, attendez, attendez, parce que là, tout tombe. Il y a un retour, il y a quelque chose qui revient vers vous, pour moi. Après une longue attente, une longue patience... c'est suite à quelque chose que vous avez fait. Alors, ça peut être une action, ça peut être un dossier, ça peut être lié à votre habitat au printemps. Ça peut être de l'administratif, ça peut être tout type, en fait, de ce que vous avez fait. Mais je vois que vous avez fait quelque chose, vous avez fait une action, une ou plusieurs actions liées à votre habitat actuel ou alors un futur. Et je vois, en fait, depuis le printemps... Ça peut être bloqué, c'est en attente, c'est en patience, il n'y a rien qui bouge. Mais là, je vois quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui revient, il y a un retour en fait. Ouais, il y a quelque chose, vous allez renaître. Après toute cette patience se transforme en renaissance. Donc vous allez renaître. Il peut y avoir quelque chose de juste, une renaissance dans l'équilibre, dans la santé, dans le bien-être. Un retour, une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Lié à peut-être à une renaissance dans un nouvel habitat qui va vous permettre d'être en meilleure forme, en meilleure santé, en meilleure voilà, en meilleure capacité physique, psychologique, toutes vos capacités, peu importe quelles qu'elles soient. Ici, en meilleure performance, voyez, en meilleure forme, en meilleure santé, meilleur bien-être. Voyez, un retour, un courrier qui arrive à vous. Vous, vous en avez fait un ou plusieurs, donc c'est de l'administratif. Surtout, surtout, beaucoup, hein, vous êtes très actionné pour moi au printemps. Au printemps, et là, il y a quelque chose qui arrive, qui vous aide à faire renaître. Il y a une bonne nouvelle, il y a un courrier qui revient, qui va vous apporter, pour moi, une très très bonne nouvelle. Vous pouvez être un homme de 30 ans et plus. Vous allez vivre dans un nouvel habitat, il y a une renaissance dans un nouvel habitat qui va vous apporter... que du bien. Parce qu'actuellement, je peux avoir... vous êtes actuellement depuis l'automne, en fait. Au niveau de votre habitat, pour moi... Alors, ça peut être, ça peut être dans, vraiment l'habitat même. Ou alors, ça peut être la région. Ça peut être le lieu, l'endroit. En fait, je vois... il y a quelque chose que vous supportez plus depuis l'automne. Il y a quelque chose que vous supportiez plus, ça peut être lié aussi, je peux avoir peut-être du stress, des anxiétés, de l'angoisse, une addiction, ça peut être des douleurs, voilà. Vous pouvez peut-être aussi peut-être déprimer, déprime, on sent plus bien en fait. Depuis l'automne. Mais là, je vois, vous allez fêter quelque chose, vous allez signer. Il y a une signature qui va se faire pour transformer les choses. Et je vois aussi que vous allez pouvoir transformer quelque chose après aussi dans votre sentimental avec une femme de 30 ans et plus. Ok?
Et il peut y avoir, vous allez y a transformé quelque chose pour vivre une renaissance sentimentale dans un nouveau lieu de vie, et une renaissance sentimentale, et aussi dans l'habitat. Il y a deux renaissances dans l'une, d'accord? Et tout ça, en fait, cette renaissance, vous allez quitter, bah voilà. Là, c'est petite addiction, hein. C'est, voilà, je suis un peu stressée. Bon, bah voilà, je vais fumer un petit peu plus, ou alors je vais voilà, je suis stressée, donc j'ai un petit peu mal à la tête, donc je prends un petit peu plus de cachet pour la tête. Mais voilà, c'est léger, hein. C'est pas, pour moi, c'est pas lourd. Parce que vous allez très vite retomber en équilibre. C'est juste le temps. Déjà, essayez de sortir un petit peu des addictions, de vous relaxer. De toute façon, là, tout est bon, hein. Tout s'accélère, il y a des bonnes nouvelles. Pour moi... Je peux avoir un déménagement, là, entre l'été et l'automne, hein. Ok? Donc, c'est quand même assez rapide pour moi. Ok. Allez, je partage. Alors, mon écrit du jour. On parle d'une fin de ralentissement. Je vois une énorme porte. Une énorme porte qui s'ouvre. Je vois une énorme porte qui va s'ouvrir pour vous. Avec une solution financière. Il y a une solution financière. Il y a une énorme porte qui va s'ouvrir devant vous. Avec une solution financière. Ça peut être lié pour l'achat. L'achat de... l'achat de votre nouveau lieu de vie. Voilà. Donc il y a tout ça qui s'ouvre devant vous. Voilà, voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. À bientôt. Très belle journée.